Session travail comité finance l'Assemblée nationale. Moi, ça va compter premièrement. Souhaite la bienvenue tout bon membre FPSI, auditeur général et tout bon de monde qui peut écouter nous dans la cour. Aujourd'hui, nous travaillons pour this et nous les autres travaillons nous pour faire les semaines prochaines. T'allais n'a pas dit exactement quand semaine prochaine. Nos premiers, l'organisation qui nous peut visiter aujourd'hui, c'est National AIDS Council. Et moi, ça va content, souhaite la bienvenue, CEO, Dr. Gabriel, Chairperson of the AIDS Council, Madame Peggy Vidot, Vice Chairperson, Révérend Christine Benoit, Deputy Controller General, Ms. Verghese, Senior Accountant, Mrs. Lindy Rideau, et Private Secretary et aussi Administrative Assistant, Miss Sheila Vidot. Bienvenue, et nous comptons qui nous capables dans sa interaction. Et mon pays dit que ça travaille pareil, même chose, qui est capable de suivre. C'est une façon pour nous regarder quoi que l'auditeur général in mette dans son rapport, bon point qu'il soulevé. Et une bonne quelque chose qui nous peut découvrir, c'est qu'il y en a certains points que l'auditeur met dans le rapport, parce qu'il y a pu suivre régulation. Mais en même temps aussi, pendant cette semaine, nous avons un sens pour nous écouter bon différents ministères, différentes organisations, pour nous regarder aussi qui bonne contrainte qui zot en a. Parce que parfois, quelquefois, zot n'a pas sa main de power, ou n'a pas un assistant de l'administration ou bien dans la finance. Alors, c'est dans certains quelque chose, et CEO, il trouve, lui, peut faire un million quelque chose, et bien si, il y en a certains quelque chose qui peut s'appeler. So, dans ce dialogue, nous sommes contents qu'en même temps aussi, si il n'y a aucun quelque chose qui concerne les autres, que les autres soient contents, mettez-nous l'attention, s'il vous plaît, faites-le, parce que nous, en posant l'état, nous allons faire nos rapports, nous allons aussi capables de mettre ça dans quelque chose comme une recommandation, et qui, si ça va une recommandation, est capable d'aider pour faire le travail beaucoup plus facile, then les autres capables de contrôler nous. OK? So, sans plus tarder, nous pour commencer. Nous procéder straightforward. Monsieur Emmett, pour faire le take the oath. Et après qu'ils ont fait le take the oath, la nova Aldan, bon point qui auditeur qui découle from sa rapport auditeur général. So, Monsieur Emmett. FPSI et aussi pour public. Nous comptons remind public, ben membre le FPSI, honorable Afifi, il député chairman FPSI, et puis ben membre honorable Dekomamo, honorable Pile, honorable Mondon, honorable Gill et honorable Ferrari et moi, mon Zé Saoul chairman. Bien bon, nous pour commencer tout de suite et moi pour demander honorable Afif pour diriger nous, s'il vous plaît. Merci Monsieur Chair, bonjour Dr. Gabriel, bonjour tout le monde National AIDS Council. Nous et tout le monde à l'écoute. Nous revient aujourd'hui le rapport du terrain général pour 2017. Il basé le page 167 jusqu'à 170.
Et nous commençons le page 167 et 168. Côte, d'après ça, audit qu'ils ont trouvé, ils ont trouvé pour dire le côté board fees qui peut gagner payer et côté board fees pour CEO, ils y recevront son board fees, mais il y a une somme qui est payée en plus pour 3 mois après qu'il s'est dit qu'il s'est supposé quitter. Et il y a les autres paiements, 36 000 overpayments qui ont été faits dans board fees. Les autres se présentent ça avec management. Management dit pour dire les autres ne veulent pas, les autres sont d'accord et les autres peuvent faire façon pour récupérer ça. Peut-être que vous capable de dire que nous, qu'ils autres peuvent faire pour recevoir si toi avec former chairperson. Dr. Gabriel. Met microphone on, please. OK, bonjour tout le monde. Oui, nous avons réalisé dans ça overpayment et de suite nous faisons le nécessaire pour rendre et pour dire aujourd'hui tout l'argent fini rendre. So, problème c'est que ça somme qu'ils ont testé en plus et nous avons revérifié avec finance et au lieu de 9000, c'est 7700 et ça l'argent fini rendre. Merci. Merci pour ça. Le page 168.647, là nous parlons de goods and services. Et d'après audit, il y en a un overpayment encore pour subsistence allowance. Ça, c'est bon l'argent qu'ils ont payé, les bon staff, ils voyagent à l'étranger. Et d'après régulation Public Service Order, si un voyage, ça qu'ils ont appelé fully funded, ça veut dire que c'est l'organisation qui peut sponsor, il paye tout. Ils sont capables d'en reduce per diem, ça dit moun, mais pas capable de sauter 5 jours. Mais dans ce cas, ça dit moun, tu voyages pour 21 nuits et tu gagnes 500 ou plus par nuit qui n'arrive 10 500. Et alors, il n'y a pas d'accord avec PSO, tu as un overpayment 8 000 ou plus pour 16 nuits qui est supposé gagner un refund. Ils ont une réponse comme quoi, ils ont pour écrire et demande sa paiement en excès. Mais les autres écrits rapport, il n'est pas encore clair si sa refund sont incapables de gagner. Si vous êtes capable de clair, si nous là. Oui, nous admettons que c'est un oversight qui nous paye plus que 5 jours. Et de suite, les autres alertes nous écrit la zone finie grande depuis l'année passée. Tout la zone. Tout quelque chose en ordre. Oui, tout quelque chose en ordre. Good. OK, on parle de 649 qui le passe 169 encore overpayment pour overseas airfares qui ont audit identifié un paiement 27 000 roupies pour un meeting Victoria Falls Zimbabwe. Ils ont aussi voir un load invoice pour 4873 pour même voyage. Et tu as un autre invoice 4873 et un autre 4973. Alors, je pense que tu as un overpayment et je te réponds pour dire que tu envoies un email pour l'argent pour faire retour à l'argent. Qui est capable de dire que nous avons développé depuis ça? Nous envoyons un email, nous envoyons une lettre et nous finissons rectifier. Tu te donnes un crédit. Pour National Aid Council, et juste nous faire sa credit note pour finaliser. Mais seulement, je t'ai fini à admettre les autres fautes qui sont en process des fois. Oui. Mm-hmm. OK. Et ça, peut-être, ça l'agence, il y a l'agence locale. C'est cher. OK. Oui. Et qui sont dans les credit note là-bas. Oui. OK. On aura un mot. Merci, M. Chair. Bonjour tout le monde. Mon question est liée avec ça des trois choses qui ont été inévitables, ce qu'on a qui nous voit, ça overpayment. Et mon vie qu'on est à cause de nous voir répéter, maintenant overpayment. Côté problème était, est-ce qu'ils ont la capacité, j'ai dit moi qu'on a la capacité pour faire ça travail, tout fait avec bonne procédure, bonne PSO. Comme si côté problème était à cause. Vous pouvez voir overpayment de répéter. Merci. Docteur? OK. Peut-être que je vais expliquer comment une petite organisation qui nous fait former en 2014, nous n'avons pas vraiment un
financial controller, mais seulement nous avons l'assistance avec le ministère de la Santé, le Parent Ministry, les nous demander. Et là, l'État a quelque chose de monté, définitivement, nous avons un document pour nous gagner plus à PSI. Et là, nous demandons avec le gouvernement et administrative officer pour aider nous avec notre travail, à cause pour le moment, c'est nos private secretary qui peut faire tout ça l'ouvrage. Et en plus que ça, nous discutons le board, nous décidons qui board pour aider nous, comme secrétariat, avec un comité qui peut aider avec le monitoring, pour faire un petit peu plus contrôler, un petit peu plus bien. Donc, nous pouvons gagner assistance avec le board pour ça l'ouvrage. En attendant que nous gagnions administrative officer, et bien sûr, le board peut continuer à faire son ouvrage monitoring. Peut-être basé là, à cause de l'État, mon père regarde, par exemple, bonne maman council qui l'a devant nous. Que moi, Miss Verghese, qui est dans le ministère des Finances, qui est dans sa connaissance, je connais qui peut dire, Révérend Benoît aussi, tout, son background, il audite finance, comme c'est une bonne affaire comme ça. Comme si on essaie de regarder qui m'a dit, parce que moi, bon du monde capable, qui a pensé là aussi, peut-être servir connaissance. C'est bon du monde comme c'est juste pour aider spécialement qui Paris ou même on dit docteur c'est une petite organisation qui même une petite organisation qui en a beaucoup pour faire peut-être juste comment un petit conseil par contre c'est mon conseil oui moi quoi qui madame Vidotti là on commence après là il retourne il y a un bon du monde qui donne beaucoup de conseils il fait que il retourne dans le deuxième board. Et révérend, aussi, il y en a nous connaît, il y en a son background audit. Lui aussi donne nous advice qui moyen pour nous procéder pour bonne procédure from now on. Et lui est bon qui pour aider nous pour faire sa monitoring un petit peu plus étroit, un petit peu plus bien. So définitivement nous peut draw le nous bon ressources qui nous en a et nous en a l'assistance aussi par le ministère des Finances là. Pareil avec Miss Verghese là et l'État, lui aussi lui il est bon du monde qui pour définitivement aider nous dans sa parcours en allant. Parce que moi, j'ai un révérend qui travaille là-bas, côté bureau auditeur général, il peut aussi connaître quoi qui auditeur pour venir auditer, pour mettre dans son livre, dans son rapport. OK. Yes, Miss Verghese. Bonjour tout le monde. Juste pour clarifier, mon papa est venu comment le board, mais c'est moi, il dit qu'il y a cause accounts, et ce qu'il fait avec le ministère des Finances. OK. So, nous qui procèdons le bon paiement ou quelque chose. So, c'est même ça. It's counseling request no assistance, but I don't have any issue, ki, okay. Aucun clarification. Ok, good. Ok, Honorable Afif. Merci, Monsieur le Chair. Mon pose une question, page 169, section 661 et 662. Pardon, 651, 652, côté cause, le fixed asset register. Et d'après audit, il n'y a pas un fixed asset register qui peut gagner maintain ou bien. Eh bien, si, pour n'avoir aucune vérification. Et Zotin dit que Zotin demande conseil pour un résis, un inventaire, pour qu'on ait exactement qui Zotin a. Zotin dit pour dire Zotin a posé au ministère des Finances pour l'assistance, mais jusqu'à présent, il n'y a pas encore une solution. Qui Zotin est capable d'update nous de sa situation? Ok. Fixe ça, c'est le registre. Qui nous tient la liste, bonne quelque chose qui nous tient à la nous venons. En 2014, Sabi Routine déjà a quelque chose là-dedans. Mais nous n'avons pas lu dans un software pareil, le ministère des Finances a demandé. Le ministère des Finances est venu installer sa software dans nos systèmes et il est venu expliquer nous comment il faut faire. Et là, nous commençons à remplir une des bonnes difficultés qui nous besoin de retourner envers les autres. Et ils promettent actuellement, ils sont supposés venir nous aider pour aider nous, pour nous compléter. Mais nous finissons faire les nécessaires et sa software peut gagner update et tous les ans présents. Nous pouvons besoin d'updater. Et vous besoin mettre tout bon cost qui avant dans sa Excel sheet pas nécessairement un payment voucher puis la présent nous pour faire entrer. Est-ce que vous prévoyez aucune difficulté en termes au niveau ressources qui on a pour capable faire entrer mon magasin facile ben pour maintenir pour faire si est-ce qu'on a beaucoup de mouvement dans le stock qui pour faire des difficultés ou bien on pas prévoir aucune difficulté. Il tout le temps beaucoup travaille à cause par nous peut dire une petite organisation que tout besoin ou en human resource ou peut faire administration ou même faire finance ou même so, si nous t'y gagne ça administrative officer définitivement tu peux aider mais pareil nous c'est quand même de samedi nous venir pour nous capable finir si pendant l'ouvrage pour terminer nous c'est pour nous capable terminer et là nous fait bon progrès là
Et définitivement, si nous gagnons l'assistance finance encore, si les autres viennent encore là, nous sommes capables de terminer et updater annuellement. Yeah, bonjour tout le monde. Bonjour, bonne madame. Bonjour, okay. Tim. Madame. Bonjour, bonne madame. Vous avez un peu de temps. Welcome, Zot. Moi, mon question, c'est plus pour Miss Verghese. Voilà encore, nous voir un petit organisation en termes de son budget, son scope de fonctionnement. Et souvent, une petite organisation, comme moi, il y a une difficulté avec le ministère des Finances pour les autres demandes, ça bon staff. Avec le ministère des Finances, pas avoir un justificatif pour envoyer un admin officer, paiement pour National Health Council, par exemple. Alors, mon question, c'est qui les efforts que vous pouvez faire pour que vous regroupez un peu bon, l'organisation qui est dans le même secteur, disons, de la santé, prévention, dans le même secteur, et faire autres en an un structure administrative qui est capable de gagner aide pour plusieurs sa bonne organisation. So that, ça dit que les gens qui ont payé, ils ont de quoi le voyage pour faire. So, est-ce que ça y a une réflexion qu'ils ont dû faire dans le ministère des Finances et l'eau sa base, est-ce qu'ils sont capables d'un officier pour assister à. Ou assister au conseil pour faire ce travail administratif. Merci. Yes, Miss Verghese. Merci pour la question. Oui, je crois que ça est définitivement nous plan pour nous faire quelque chose à cause. Il parlait pas de ce qui nous pas envie de donner et aussi qui ou pas ça dit monde qui capable qui peut faire les so, et tout quand nous besoin maximiser bonne ressource qui déjà nous en a so par peut dire que faire de ça secteur côté ministère de la santé la HCA là comme si qui n'avait regret un peu comme si ben existing post qui à présent a gagné qui moyen de capable assister ça et council et aussi ben les autres petites organisations à cause parler que faire si on donne un poste full time que faire il pas pour fully utilized so que faire ça même ça n'a pas nous payer et n'a pas continuer gagné qui moyen à présent n'a pas capable aide et council. Merci beaucoup pour ça la réponse. In fact, ça y pour un bon quelque chose, c'est que nous pour take-up l'état ministère financier vient devant nous semaine prochaine. OK, on va avec. Merci, M. Chair. Dernier point, il est page 170 concernant public procurement. Et dans audit, dans point 654, il montrait qu'ils ont acheté un véhicule pour 330 000 roupies, mais il n'y a pas aucun document pour montrer qu'ils ont fait ce qu'on appelle un open bidding. Ça veut dire permettre les autres personnes capables de mettre des bonnes offres pour les véhicules. Et ils ont dit qu'ils ont accepté pour dire tiens, oversight encore. Qu'ils ont fait pour faire si les autres staff, y a jour avec régulation. Et si tout, ils ont toutes les bonnes possibilités qui permettent la législation. Par exemple, si ils ont quoi pour dire qu'il y a un véhicule qui l'a, mais les autres n'ont pas de véhicule qui sont capables de donner une cotation là pour là. Et ou besoin pour enseigner là parce que vous tenez une licence, par exemple. On a droit à écrire code procurement, donne bonne explication et si vous trouvez les justifiables, il y a dit carry on malgré que vous ne faites pas open bidding à ce point là. Donc il y a une façon pour dire que procurement unit, est-ce que vous êtes au courant, il y a une compétence nécessaire pour capable éviter cette bonne situation. Merci. Oui, présent nous connaît comme s'il était un outil faire ça. Il pas nous pas faire les par nous intentionnellement, tiens, ouvre ça encore et tout pas tout fin d'étape que nous passer personne pas vraiment dit nous pas comme ça qui fait. Mais présent nous connaît et la prochaine fois il faut pas arriver encore et la présent nous n'a pas nous laisse nous connaît qui moyen pour faire quelque chose. Mais nous type un qui type bon marché, qui type économique à cause nous connaît moyen nous bidzeyeté, so nous pas type faire point que qui plus c'est nous. Contrairement à ce que nous avons essayé de faire, qui est un peu plus bon marché, qui peut être même ça peut-être, qui nous panale, ça open bidding. Mais c'est moi, nous connaissons présent, nous ne pouvons pas faire encore. Non, nous comprenons exactement ce qui vous avez dit, mais c'est moi, ils disent que, à cause d'auditeurs, ils ne sont pas tout d'accord avec
Il comprend la logique seulement, il peut dire avec vous, son livre, il dit, ou besoin ça, alors si il besoin noter. Et ou bonne intention, avec auditeur général, malheureusement, pas même nous, trop loin. C'est ça qui nous peut découvrir. Et, mais c'est one of the, une bonne quelque chose qui nous aussi fait, spécialement pendant sa session, quand nous appelle toute bonne organisation, basically, qui sont apparaît dans le rapport auditeur général, même si c'est un petit pari, National AIDS Council, c'est pour nous aussi passer un message avec toute bonne organisation qui gagne un budget dans, avec le gouvernement, dans Consolidated Fund, pour dire avec autres qui, même si c'est un petit, c'est aussi important qui s'abonne, qui gros, et qui c'est même tous qui peut éclairer les autres. Et nous avons envie, au fait, nous nous contents si le rapport auditeur général est un petit, et qui, si, parce qu'il vous donne nous, moins Louvoise, et en même temps aussi, plus important, ce n'est pas moins Louvoise, mais qui, bonne régulation, peut gagner suivre. Alors, ça, accountability, il y avait vraiment une façon qui nous peut fonctionner, comment un pays, et comment, bonne. Et qui nous connaît, vous dites, chaque sous le PPCC loi est bien gagné, utilisé. Ok. Monsieur Chair, on n'a pas encore les autres points. Les autres. Ok, tu veux. Yes ou non, un peu hein? C'est en passant. Que fois, même on demande un petit discount pour ça, l'autre, à cause du AIDS Council, non? À cause de bon, de bonne équipe pour un peu sponsor, un peu discount, non? N'oubliez ça, hein? Ok. Mon nous bien poser ça petit entretien et nous participe dans certaines autres bonnes activités qu'ils ont fait et nous content qu'ils puissent dire l'assemblée avec National Aid Council il y en a un bon collaboration et mon beaucoup bonnes membres l'assemblée qui avec nos comités ils ont besoin faire un peu de travail ensemble et nous connaît qu'ils peuvent dire aussi faire un travail très important. Alors, permettez-moi, Lola, par tout bon membre FPSC pour dire avec vous autres, continuez ce bon travail et nous reconnaître que vous dites, il n'est pas facile, spécialement sa circonstance qui sa circonstance sociale avec drogue, ainsi de suite, qui amène nouveaux challenges pour vous autres. Mais c'est moi, keep up the good work et nous pouvons suivre vous autres très bien et pas oublier. Et moi, quand on a déjà dit vous autres plusieurs fois, Mazina qui vous dit FPSI, ils ont des amis. Nous connaissons vous dit parfois le ministère des Finances, pas tout le temps, ils ont des amis. Mais FPSI, ils ont des amis. Les temps, ils besoin de plus de support. Pas hésiter pour rentrer en contact avec nous. Et les temps, les bits sont venus, nous sommes capables de regarder comment il y a nous pour garder notre support nécessaire. So, merci beaucoup et passez une très bonne journée. Merci. Okay. Merci mon frère. Good, bon week-end. Oui, bon week-end. Bon week-end pour moi-même. Hein? Merci beaucoup. Nous besoin. Que nous l'autre entité qui nous pour visiter, c'est la Dig Trust Fund. Et nous pouvons attendre autres, mais like les qui mec après ça fait un rescue. So, nous pour finir un peu bonheur, mon plaisir se regarder parmi les bandes qui nous permettent pour après-midi, n'a pas qui. Lesquels qui. Oui, lesquels qui nous. Tu peux me voir, c'est pas possible, cher. Bien, cher, tu peux me voir.
Non, non, mais moi, on peut plutôt regarder. Non, non, lundi, pas pour bon. Nous finissons, qui peut dire lundi, pas pour bon. Mais seulement, nous peut regarder si un débat des autres, parce que mon peut voir, nous peut. Nous peut. Oui, oui. Non, non, you're okay. You're okay. Yes, yes, not call life. Not call life. Ça même ça. Nous ne sommes pas capables de faire contacter ça dès l'organisation. Un Council for the Handicapped Disabled avec. Juste pour nous gagner, so, parce que nous n'avons pas. Comme si pendant le temps, nous pouvons regarder ben, les autres, si vous êtes capables de venir. Je t'avais dit, nous, si vous n'êtes pas. Si vous n'êtes pas capable, nous avons reschedule. So, human trafficking. Human trafficking avec disabled person. Donc, tu es supposé venir nous voir. Yes, ok. Mon capable, c'est. Oui, oui, ça bon, c'est faire ça pour nous. Si vous êtes capable de venir, then. Si vous excusez, moi, je vous propose un pour 10h30. Non, 10h30. Ok. C'est 10h30. Ok. Allez. Se nous on a un petit moment là pendant qu'il nous peut attendre ça l'autre pour venir. Si mettre les pour 10h20. Non, mais pour semaine prochaine, est-ce qu'il peut proposer mercredi? Ok, so non. Oui. Non, non. Mercredi, qui n'a pas fait, si nous pas fait FPSC, parce que c'est un gazement, et après ça, mercredi, nous jouons toutes les autres entités qui nous devraient être, qui nous devraient jouer, nous faisons le full day, et nous connaissons pour dire nous finis. Et juste pour moi, informe les autres qui m'ont aussi reçu une lettre sortie contre Madame Samantha Aglaé en relation avec nos sessions FIU qui m'ont partagé une copie avec les autres et mon courant qui nous a besoin baser le salet, nous avons besoin de lire sa lettre parce qu'ils sont droits, nous avons lire sa lettre et l'État nous a appelé sa lettre, nous avons invité FIU parce que mon courant qui, après que nous lire sa lettre, et pour en an, certaines questions qui nous besoin de manière faillou et pour une relation directe avec rapport auditeur général. Il y en a son copie en bas, pendant break, m'a donné tout bonnement un copie. Non, il s'est posé, venez. Il s'est posé, peut monter. Peut monter? Yes, nous avons informé. Si Bandimon n'est pas encore arrivé, nous avons pas un brix. Mais juste donne-nous encore deux minutes. Yes, please. Et puis nous finissons. Yes. They are not here yet. Ok. Mais nous avons pas un break. Nous avons pas un break. Là, il est 9h40. Nous avons répondu 10h. Ok. Thank you very much. Ok.